C'est une catastrophe inédite, bien évidemment, parce que ces deux séismes ont eu une intensité de 7,7 et de 7,6. Pour le moment, les équipes sont sur place. Il y a toujours, bien évidemment, nos compatriotes sous les décombres. Et jour et nuit, les équipes de sauvetage continuent leurs travaux. Je dois aussi souligner la solidarité internationale. Ça comprend aussi des équipes des quatre coins du monde. Ça s'est devenu une opération planétaire, je dois dire. On ne perd pas l'espoir, on ne perd pas le courage, parce que la Turquie est située dans une zone marquée par les séismes. Celle-ci, c'est le pire de notre histoire. Ça, je dois le souligner.